Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est X-Shooters, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 Online pour un nouveau glitch qui vous permettra tout simplement de vous catapulter après la mise à jour 1.24. Donc alors, pour commencer ce glitch, vous allez tout simplement vous rendre à la plage. Donc c'est juste ici sur la carte. Avant de commencer, vous devrez aussi préparer une activité d'un contact, donc Martin, Lester ou Simeon, comme vous voulez. Donc ensuite, quand vous êtes à la plage, vous lancez des grenades sur les grillages bleus pour les faire tomber. Ensuite, vous vous placez sur l'un de ces grillages qui vient de tomber. Vous sortez votre téléphone, vous allez dans les activités rapides et vous lancez une partie aléatoire. Dès que le téléphone se ferme, vous ressortez votre téléphone et vous allez dans les listes d'activités. Pour cette fois-ci, lancez une activité d'un contact que je vous ai demandé de préparer. Et maintenant, vous serez donc invincible. Donc à ce moment-là, vous vous placez sur le bout du grillage et vous tirez une roquette devant vos pieds. Vous verrez que vous allez vous envoler. Donc c'est vraiment un glitch assez sympathique pour se catapulter entre potes. Vous voyez là que je me suis catapulté assez haut, je trouve. Donc après, vous retournez vers les grillages et vous faites pareil qu'avant. Donc au bout d'un moment, je précise que le jeu vous lancera l'activité du contact. Donc quand vous y serez, vous aurez juste à faire le plein de munitions et la quitter. Et vous pourrez refaire le glitch. Donc vous sortez votre téléphone, vous allez dans les activités rapides et vous lancez une partie aléatoire. Ensuite, vous ressortez le téléphone et vous lancez une activité d'un contact. Et ensuite, vous pourrez donc faire le glitch tranquillement. Donc si vous voulez vous catapulter un peu plus haut, vous pouvez mettre des bombes collantes juste devant le grillage. Ensuite, vous faites le glitch pour être invincible et vous tirez une roquette sur les bombes collantes. Et vous vous catapulterez vraiment plus haut. Donc voilà, moi j'ai tout dit pour ce glitch, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un maximum de likes, de commentaires positifs et de partages, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitter, à rejoindre mon crew sur GTA 5 ou alors même m'ajouter sur Skype si vous avez des questions. Tout vous attend dans la description de la vidéo. Donc voilà, moi je vous dis à tous à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était X-Shooters, ciao tout le monde.